Ohayo minasan, j'espère que vous allez tous très bien. Comment se passe votre début d'année, dites-moi. Là, depuis 2 semaines sont passées, est-ce que ça commence bien ou est-ce que ça commence mal? Racontez-moi ça en commentaire, là, je veux savoir le début d'année de chacun. Hein. Personnellement, moi, j'ai pris 2 nouvelles résolutions. La première, être régulier et sortir des vidéos à l'heure. Rigolez pas, c'est vrai, ok? Pour l'instant, je pars sur le dimanche à 15h, c'est un horaire que j'aimais bien, ça, quand je le faisais. Donc, on va essayer de tenir ce rythme-là, et normalement, si tout se passe bien, la vidéo qui sort aujourd'hui, bah, on est dimanche 15h. Pas sûr à 100%. Si c'est pas le cas, ça m'étonne même pas. Ça, c'est l'une des plus grosses résolutions parce que c'est vraiment un problème sur ma chaîne. Hein. Là, vous me connaissez, moi, la régularité. Une vidéo qui sort le dimanche, une vidéo qui sort le mardi soir, une vendredi. Wesh, on s'en sort plus là, on s'en sort plus. Au bout d'un moment, faut être ordonné et nickel game. Parce que quand t'es pas ordonné, eh ben, ça avance plus, ça avance plus. Faut arrêter ça. Bref, les amis, vous savez très bien que sur ma chaîne, j'adore regarder des mèmes d'animé. Histoire d'oublier les problèmes, de pas se casser la tête, etc. D'ailleurs, j'en ai fait quand même pas mal des vidéos sur les mèmes d'animé. Hein. Mais il y a un truc que j'ai jamais fait, c'est un subreddit. Alors que c'est un peu l'endroit pour trouver un maximum de mèmes, hein, mais j'avais jamais fait encore pour l'instant. Donc je t'invite tout de suite à mettre ton pouce bleu, à t'abonner si c'est pas déjà fait. Commençons l'année dans de bonnes bases, tu vois ce que je veux dire, dans des bonnes vibes, tu vois. C'est parti. On est sur Good Anime Meme. Alors je vous dis tout de suite, subreddit, tout ça, je suis une grosse quiche. Hein. Je ne sais pas du tout comment Reddit fonctionne. Je ne sais pas, je suis un noob, d'accord. Déjà là, on commence, je vois un avec une waifu incroyable. Marine Kitagawa, de Sonobis Kedol, un animé de saison. Ah, bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Et si j'ai juste un truc à dire, reine de 2022. Je veux rien savoir. Et Hello Pochi vient juste d'annoncer qu'il allait dessiner Vanilla My Dress Up Darling et Doujin. Oh oh! Ah, Doujin. Je vois. Vous savez très bien que dès qu'il y a une waifu incroyable qui arrive, elle ne peut pas y échapper. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça devait arriver, c'est comme ça. Babe, pourquoi es-tu triste? Je viens de découvrir que le monde était plat. Lol, it's not silly. You are my. Non, ça se fait pas. Non, ça va là où les refs, arrêtez. Le genre de van à pas faire, c'est totalement le genre de van que je pourrais te sortir à n'importe quel moment. Ça va, c'est bon délire, mais je m'y attendais pas, là. En plus, pour le coup, le personnage utilisé, c'est vraiment platitude incarnée, là. Masterpiece avant, masterpiece maintenant. Totalement d'accord. Et bah, le suprématie. Que quelqu'un ose me dire là, tout de suite, là, dans ma communauté actuelle, là. Que là, Mona Lisa, là, la Joconde, elle est mieux que Bal, que quelqu'un ose me dire ça, là, maintenant, là. Mais tu compares le vrai art juste à un dessin d'une fille de manga, Non, mais arrêtez, s'il y en a qui me sortent ça actuellement, là, on va pas s'entendre. On va clairement pas s'entendre. Vive Bal et vive Genshin. Disons que... Ah, le choix, il est vite fait, mon ref. Enfin, je suis désolé. Bon, alors ça, les gars, c'est tellement vrai. Je vais donner le meilleur exemple pour ce qu'il est en train de définir. Là. Le premier, là, c'est un mec, le gars qui dit de la merde sur Fairy Tail. Par exemple. Puis derrière, t'as tous les autres qui suivent, qui n'ont pas vu l'œuvre, mais qui disent « Ouais, c'est nul à chier, ouais, t'as raison, machin. » C'est la même chose, vous êtes comme sous l'image, à vous faire influencer comme des grosses merdes. Ah non, ça rend fou, ça, c'est incroyable. Laisse-moi te dire un secret, ta waifu ne t'aimera jamais fucking... Y'a pas à être violent comme ça. On est marre là. Toujours à me dire la vérité en face sans pincette là, j'en ai marre, ça c'est chiant. Et en plus de ça, vous faites ça avec une image de Kitagawa, vous avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de faire ça, ok? La reine de 2022, elle est pas méchante, hein, d'accord? Partie 1 à 4, partie 5, c'est tellement réel. Genre vraiment, partie 1 à 4, ils s'habillent bien, ils ont... Enfin, partie 5, ils sont bien habillés aussi, je dis pas le contraire. Mais en tout cas, ils se couvrent bien, quoi. Partie 5, un trou là, croc top, nanana... Eh, il fait chaud en Italie! Bah quoi que tu me diras, oui, en fait. On va pas essayer de trouver une logique, hein, d'accord? Juste, c'est réel. Oh, s'il te plaît, je suis pas comme les autres filles, I have... Pardon? Je crois que j'ai mal lu, je... Comment ça, 12? Eh, suivant! Je vais te donner du lait. Ah, meuf, quand tu veux, hein. Quoi? Il faut que je grandisse, non? Bon, j'ai passé l'âge de grandir, mais... Oh, oh. Comment ça est devenu ça? Ah, moi, je sais pas, hein. Mais qu'est-ce que je la foudroie? Oh non, comment les filles parient versus comment les mecs parient. En plus, ils mettent le moment où Jotaro, il limite vend sa mère, l'âme de sa mère. Tout va bien, ouais, bah oui. Après, j'espère vraiment que toutes les meufs ne parient pas comme Yumeko. Non, non, parce que pousser un cri orgasmique à chaque fois que tu poses un jeton, faut se calmer, meuf, hein, vraiment. Mais je t'aime bien, Yumeko, je t'aime beaucoup, même. T'enlèves un peu le côté psychopathe et y a moyen, on se fait un truc, hein. Quand tu réalises que SAO va bientôt être réel, ça, les gens, ce serait tellement incroyable. Il y a un truc avec un pote qu'on n'arrête pas de se dire, c'est que imaginez, bon, juste imaginez parce que ça n'arrivera pas, hein, faut pas rêver non plus. Imaginez depuis le temps que l'œuvre SAO existe. Un jeu est en préparation. Alors évidemment, je parle pas d'un jeu avec le casque et tout, ça c'est... c'est dans très longtemps ça, si ça arrive un jour, mon ref, faut pas rêver, hein. Mais imaginez un vrai giga gros jeu Sword Art Online, avec les 100 paliers, les trucs, avec des corps de ouf et tout, la licence SO, etc, avec des vraies compétences et tout, ce serait incroyable. T'as vu, je sais pas quel studio de jeux vidéo serait le mieux classé pour faire ça, ou plusieurs studios ensemble, je sais pas, mais si un jour, un jeu SAO archi beau, hyper complet sort, mais ça nique tout sur son passage, pose ça là, ça nique tout sur son passage, clairement. Mais bon, écoutez, en attendant, ils préfèrent sortir des jeux SAO fan service qui durent même pas un mois, enfin, c'est...
fais du mode histoire et c'est tout quoi. Même le mode histoire des jeux sur Art Online sont pas foufou non plus. Oh, c'est Bandai Namco quoi. Bref, croisons les doigts hein. Tu montes ta collection de Bionicle quoi. I'm wet. Oh, pardon. So freaking hot, so cool. Ouais, mais... Hein? C'est un bail bizarre avec les Bionicle. C'est pas les trucs, les constructions, pas Lego, mais les trucs un peu plus costauds quoi. Une sorte de robot, je sais plus ce que c'était, mais ça date. Et les meufs, vous kiffez ça hein? Alors vous aimez bien quand les gars ils ont des collections de Bionicle? Non, parce qu'on peut s'arranger après hein. Faut juste que je revoie la gueule que ça. Ah ouais, ça date de ouf. Par contre meuf, si tu mouilles sur ça, c'est qu'il y a un très très gros problème mental hein. Ah ça c'est... Ouais non ça va pas hein. Je sais pas s'il y a une rêve ou quoi que je capte pas, mais si quelqu'un a capté une rêve précise qu'il me le dise hein, je sais pas. Pourquoi elle porte des trucs si petits? Ouais, juste du fanservice random. Star, une histoire incroyable. Allez, regardez Fate, allez, regardez juste pour cette femme incroyable. Regardez Fate, s'il vous plaît. Star Inisto. Mais c'est pour ça, voilà. Me sortez pas que c'est... du fanservice, ils ont juste copié la réalité, c'est tout. Les fans de Fate, là, on est contents. Hein. Alors les refs, là, j'ai pas la ref, mais non. Juste non. Y'a pas de... Non. Saber est le meilleur roi Arthur que le monde ait connu. Je veux rien savoir. Ne parlez pas des autres légendes avec que le roi Arthur, c'est un gars, m'en fous. Roi Arthur meuf, c'est trop badass. J'approuve 100%. What the... Oh, ok. Ouah, mon cerveau, il a bugué. Elle est âme pure, là. Là, vous avez rien remarqué, là, bizarre. Quoi, vous me demandez, y'a quoi de bizarre? Non, mais y'a rien. C'est juste une image d'une fille qui se prend en photo et... En dessous, l'image d'une voiture et d'un tunnel, quoi. Pff, rien de plus... Non, mais c'est clairement un gigaboule, là. Je suis désolé. Faut pas se mentir, hein. Moi, j'ai vu, tu as vu, ton chien même a vu, ta grand-mère même a vu. Bon, arrêtez de faire semblant, hein. Il s'excuse. What the fuck? Attends, gros. T'es là en train de te taper le meilleur rêve de toute ta vie. Et là, mais je l'explose contre le mur le téléphone, hein. Je l'explose. Après là, mon ref, tu faisais un rêve. Le rêve, je sais pas c'était quoi, mais bizarre, hein. Je vais pas demander d'où ça vient. J'en suis sûr, même parmi vous, il serait capable de me donner la ref dans les coms, là. C'est sûr à 100%. J'aurais pas dû dire ça. On en parle du bruit que ça fait quand elle s'assoit. Genre, le bruit... Et après... suivant. Je sais même pas qu'est-ce que je vous montre, là, franchement. C'est vraiment une vidéo YouTube, ça? What the fuck? Oh la masterclass. Non, ils ont pas fait ça, mais non. Mais what? À quel moment tu fais un remix? C'est incroyable! Vas-y, fais péter drop. J'ai envie de chanter, mais du coup, les paroles, c'est bizarre. Ok, bon bah, là, les paroles, frère. Mais non, mais c'est une giga masterclass, ça. J'ai l'opening masterclass Demon Slayer, I Never Give You Up. Non, les gars, oh, chapeau. C'est brillant, mais je préfère largement ça. Mais bien sûr, après, bon, à quoi, c'est pas non plus... Il faut que tout le monde adore, hein. Elle est très connue pour sa débilité et son inutilité aussi. Là, Kitagawa, elle est à des années-lumière au-dessus d'Aqua, mais là, sans hésitation, genre. Zero Tool, le mec a dit qu'il a jamais eu de simp. Mais par contre, pour Kitagawa, à vos services, ma reine, c'est totalement moi, oui. Ce qui me fait le plus dans l'animé où elle est, sa première apparition. La façon dont elle arrive sur le perso principal. Je vais très vite faire le passage, mais elle est littéralement envoyée dans les airs. On ne sait pas comment. Elle est jetée dans les airs sur le héros. Mais les gars, mais faites pareil pour moi. Moi aussi, je veux recevoir des waifus, genre dans la tête, comme ça. Nezuko avant, Nezuko maintenant. Elle a bien grandi, hein, elle a bien... Développement du personnage et tout. Par contre, juste le fait d'avoir utilisé Komi-san pour le même, j'aime bien, je valide. Est-ce que tu veux devenir mon ami? Désolé, je te vois que comme un petit ami. Quoi? À quel moment? Est-ce que c'est déjà arrivé une seule fois dans la vie de quelqu'un, ça? Ça n'arrive pas normalement, ça, hein. Par contre, si c'est arrivé à quelqu'un parmi vous, là, on sait pas, hein, peut-être que... je sais pas, voilà. Si c'est arrivé à quelqu'un parmi vous, dites-le, voilà. Expliquez-nous votre secret. Les gens, on va s'arrêter là pour cette vidéo, d'accord? Je pense que ça suffira, hein. Un début d'année avec des mèmes d'animé, quoi demander de plus? Bref, dans tous les cas, si ça vous a plu, je vous invite à mettre votre meilleur like, à vous abonner si c'est pas déjà fait, pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et aussi, venez me suivre sur Instagram et Twitter. Non, mais j'en vois, il y en a plein qui sont pas abonnés. Ouais, allez-y, ils sont là. Bref, je vous souhaite à tous une très bonne journée, très bonne soirée, c'était Animax. Ciao. C'est archi stylé ça. Oh mais j'ai un flow incroyable.